aime tant des nouvelles là. Sougui n'aime tant des paroles là. Nangui n'aime tant des nouvelles là. Sougui n'aime tant des paroles là. On a respect pour nous toutes, c'est Pigou Nouvelle, tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigou équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Plus passe yon vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passe yon quinzaine journalistes ou reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez le sous Radio Guinée. Pigou garantie ou gain, journaliste Radio Guinée yo. Pas fait nouvelle, mais yon bon nouvelle là, j'en lié. Fait l'autre monde tende nouvelle sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yon, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle natif natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans bon timamite. 7h à souhait, nouvelle tout pays a en détail. Radio Guinée, pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays a. Depuis ces nouvelles, wap tandil sou Radio Guinée. Yon expérience natif natal. Kèk nan grand point nap gen pou nou développer nan nouvelle sa, yon gros cérémonie organisée dans local Peligla dans 3e section des bailles communes nan Boucan Carré pour clôturer travail réhabilitation 3 turbines centrales hydroélectriques Peligla qui pral produit 54 MW courant dans département Santa Cruz région métropolitaine là. Président République la Jovenel Moïse accompagné ministre Travaux publics Lan Fritz Kayote participer dans activité ça. Ministère agriculture ressources naturelles et développement rural BID département agricole États-Unis catholique Relief Services organisé jeudi 21 juin une conférence nationale dans hôtel Marriott qui a duré 2 jours sous filière cacao en Haïti. Inspecteur général police nationale d'Haïtien Ralph Stanley Jean-Brice remet certificat by 22 inspecteurs police dans diverses unités dans PNH là qui étaient pris en formation pendant 3 jours sous 3 moun journée jeudi 21 juin 2018 là. Office de protection citoyen organisé jeudi 21 juin une conférence débat sous thème droits et devoirs des agents de la fonction publique en prélude avec journée Nations Unies fonction publique là qui célébrée chaque 23 juin. Saint-Damien Tabar organisé jeudi 21 juin une séance sensibilisation sur problématique maladie anémie dans pays sous thème qui sa anémie falciforme à qui gens yon moun capable gagner maladie ça. Mesdames messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redbranché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans pays ça, y a bay nouvelle et puis ou fermer radio. Ah. Mon cher me fatigue là et puis me dit bon me reposer moi m'a prend la 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh oh. Et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon m'a bon dernier croisement. Pas fourré me dans gêne non. Bon mon ou pas ta penser tant de nouvelles là. Yon l'autre fois mesdames messieurs, gros salutations pour nous toutes. Bienvenue dans développement information yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée. Ces nouvelles qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse accompagné ministre en travaux publics l'ingénieur Fritz Kayo participé jeudi 21 juin 2018 là dans 3e section des bailles commune Boucan Carré dans une cérémonie clôture travail réhabilitation 3 turbines centrales hydroélectriques Pelig qui pral fournit 54 MW courant dans département centre avec région métropolitaine là. Cérémonie a été déroulée en présence de plusieurs partenaires, organisations internationales, plusieurs sénateurs dans le département Saint-Lan avec plusieurs élus locaux, magistrat commune Boucan Carré, Delinois Guerrier, dans l'intervention, l'exprimer satisfaction pour projet réhabilitation 3 turbines centrales hydroélectriques Peligla qui pral fournit électricité dans toute commune dans le département Saint-Lan. Depuis tantôt plusieurs années, la compagnie Astrom s'est engagée sous le haut patronat du gouvernement haïtien dans la réparation des 3 turbines de la centrale hydroélectrique de Pelig. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'une dynamique sociale de changement que l'administration Moïse Lafontaine entend faire passer au tout premier plan des urgences, comme c'est le cas dans de nombreux domaines un peu partout à travers les 10 départements géographiques du pays. La mairie de Boucan Carré
que j'ai l'honneur de présider depuis environ 2 ans, réjouit particulièrement de la clôture de ces réparations. À l'idée que la mise au point de ces travaux hautement significatifs permettra à l'électricité d'Haïti de fournir 54 mégawatts d'électricité au service d'une bonne partie de la population. Inche, Tomod, Myombalé, Boucancaré, Las Caobas, Port-au-Prince et les zones avoisinantes jusqu'à Léogane, pour ne citer que cela. Cela dit beaucoup pour un gouvernement qui fait de l'énergie, à côté de l'éducation et de l'environnement, l'une des principales préoccupations. Toutefois, la durabilité de ces réalisations, comme de beaucoup d'autres, dépend pour une large mesure de la façon dont nous allons protéger ce site contre les nombreux défis d'un environnement sans cesse fragilisé par les intempéries naturelles et la mauvaise gestion des citoyens de la cité. Sur ce, nous encourageons le développement d'une synergie entre le ministère du Tourisme, des Travaux publics et de l'Environnement afin de conserver et de protéger ce site pour le plus grand bien de la nation tout entière. Je vous remercie, Monsieur le Président, le premier mandataire de la nation, ainsi que toute cette prestigieuse délégation des grands commis de l'État, pour l'importance accordée à ces infrastructures. Construire a toujours été votre rêve pour une Haïti où chaque Haïtien aura le bonheur de vivre les heureux bienfaits du changement. C'était Madame, Monsieur, Magistrat commune Boucancaré, Delinois, Guerrier. Directeur général électricité d'État d'Haïtien, Hervé Pierre-Louis Bocotépal, remercier BID, OFID, avec gouvernement fédéral Allemagne pour contribution tépotée dans cadre projet réhabilitation 3 turbines. Le barrage de Pélig a été construit dans les années 53-56 d'un ouvrage en béton d'une hauteur de 70 mètres et d'une longueur de 263 mètres. La centrale électrique a été construite un peu plus tard, de 1969 à 1971. Il comprend trois turbines Francis de 18 MW chacune, totalisant 54 MW. Alors, la puissance disponible en 2010, au début des travaux, la puissance maximum disponible au moment de la saison pluvieuse était de 28 MW. Pendant les travaux, il a été fait un choix de continuer à opérer une turbine à la fois. Donc, de 2014 à 2016, la puissance disponible à la centrale était de 20 MW, puis de 8 MW de février à juillet 2016. La portée et les objectifs du projet. En saison sèche, il fallait sécuriser la production hydroélectrique et garantir une puissance minimale d'environ 10 MW. En saison pluvieuse, les objectifs visés étaient d'atteindre une production de 47 MW en moyenne sur les trois turbines. Le cadre contractuel, le maître de l'ouvrage, EDH, nous avons dû utiliser les services d'un consultant, Fischner, et le constructeur lui-même qui a réalisé les travaux, c'est le consortium Alstom Comelec. L'ouverture des offres a eu lieu le 9 mars 2010. Les négociations ont duré et finalement le contrat a été signé le 10 février 2012. Et la mise en œuvre du marché a commencé le 11 juin 2012. Le financement mis en œuvre, les amis d'Haïti qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Je vous remercie encore. Il y a l'ambassade d'Allemagne qui a contribué à hauteur de 28 millions d'euros, environ 34 millions de dollars US. La BID, je remercie encore la BID qui a contribué à hauteur de 32,5 millions de dollars US. Et l'OFID à hauteur de 35,4 millions de dollars US. Les coûts, voilà comment ils sont ventilés. Lorsqu'on faisait les travaux, lorsqu'on a reçu les offres, les études ont été conçues pour que les travaux s'effectuent avec vidange complet du lac. Cependant, au moment de la réalisation et de la négociation, on s'est rendu compte que c'était pratiquement impossible de vider le réservoir et il y a eu une renégociation du marché, ce qui a rallongé également la durée des travaux. Comme les travaux ont été effectués sans vidange, il y a eu donc des travaux qui ont été effectués sous l'eau, des travaux subaquatiques. Donc on a commencé avec le groupe 3 de juin 2013 à mars 2014. Le groupe G3, la turbine numéro 3, a été mise en service le 30 juin 2016. Comme il fallait s'assurer pendant l'exécution des travaux que la centrale continue à produire. Donc une fois que le groupe G3 a été réhabilité, on a commencé avec la réhabilitation du groupe G2.
le 22 janvier 2016, qui a duré environ 2 ans, et a pris fin le 15 janvier 2018. Donc la deuxième turbine, G2, est en service depuis le 15 janvier 2018. Parallèlement avec le travaux sur le G2, les travaux du G1 ont débuté le 29 juin 2016 pour prendre fin dernièrement le 29 mars 2018, donc pratiquement. Et maintenant, les travaux sur ce que j'appelle les auxiliaires généraux, les évacuateurs de crues, voilà leur échéancier. Les 3 turbines qui sont en marche depuis avril 2016 ont contribué que la capacité originale de la centrale, les 54 MW, sont maintenant disponibles. Les objectifs atteints. En saison sèche, on visait un objectif de 10 MW. Maintenant, qu'est-ce qu'on a réalisé? Pendant la saison sèche, de février à avril 2017, 12 MW étaient disponibles. Durant la période de mars à avril 2018, 10 MW étaient disponibles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des travaux qui se faisaient au niveau du barrage. La capacité de rétention, on a dû le réduire, pour ce qui fait que la puissance disponible de mars à avril 2018 est un peu moindre que celle de février à avril 2017. En saison pluvieuse, l'objectif, c'est d'avoir un productif de 47 MW minimum. En moyenne. Qu'est-ce qu'on a réalisé? En mai 2018, on a eu une moyenne de 28 MW disponibles. Et aujourd'hui, pendant cette saison pluvieuse, on a pu atteindre, et déjà aujourd'hui, la centrale est en mesure de produire 54 MW qu'elle était destinée à produire. C'était Mesdames, Messieurs, Directeur Général Électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis. Président République, la Jovenel Moïse, dans l'intervention, il dit la travail. Pour l'électricité d'Haïti capable de produire plus courant dans le pays, le chef d'État haïtien profite des populations haïtiennes dans le pays courant pour l'État capable de joindre moyens pour réaliser plus de travail dans le pays. Depuis 1971, je dirais, inauguré l'a desservi zone métropolitaine et te gagné une grosse injustice qui te fait. Courant est sauté dans le plateau central et puis il est tout droit dans votre province. À partir des années 2000, grand pile j'ai fort qui fait. Avec le gouvernement passé, ils ont été jugés bon pour courir le pays là, comment se servir le département central. Je dis à mon engagement devant le monde qui vit dans le plateau central pour me dire que non seulement dans 54 MW qui sont disponibles, la pluie, ça veut dire entre mois juin et mois décembre, je dis à environ 10 MW, c'est le plateau central qui consomme, l'autre 44 là, le Port-au-Prince, mais je dis nous prenons le travail pour ne pas gagner courant. Je voulais parler de l'époque janvier à juin pour que même projet nous tendait qu'à parler 24 sur 24. 24 sur 24 là, il concernait 146 communes qui viennent en pays. Il concernait 572 sections communales qui viennent en pays. Ça veut dire que le plateau central là-dedans. Le pays produit quantité courant que le produit pendant l'époque la pluie. Là, il y a un service, c'est ça, un partenariat public-privé. À travers micro réseau qui vient dans le plateau. Nous connaissons les communes. Vous voulez parler de communes Boukankaré, Ibale, Maïsad, Tavanep, Bela, Delaska, Obas, Tomont, Tomasik. Nous voulons parler de toutes les communes Zaro-Baptiste. Je dis à c'est à la source nous paraît pour que le travail fait pour micro réseau, parce que y a pile problème sur le réseau. Ce n'est pas parce que nous avons fil passé dans la ville et puis pour nous dire que le réseau est fonctionnel. Le réseau y a pile problème. Il y a une décision qui prend. Parce que dans 146 communes, il y a 101 communes, 101 communes qui ont un problème réseau dans le pays. Il y a un côté réseau qui m'a demandé pour nous faire extension. Vous avez dit zone, côté monde qui vient construire, qui n'a pas un réseau électrique. Il y a un autre qui n'a pas un réseau du tout. Par exemple, en commune, dans une commune Corail, qui n'a pas un bout de fil électrique là-dedans. Il a dit qu'il faut nous construire un réseau. Dans une commune, côté n'a pas un réseau du tout. En commune, dans une commune Savanette, dans le plateau central là-là, qui n'a pas un réseau électrique du tout. N'a construit micro réseau pour toute commune sale. L'un fin parle de construction réseau. Commune qui a un problème réseau mérite réhabiliter, ça veut dire pour mettre aux normes. Parce que pas oublier, pour faire un exercice. L'un a parlé de courant 24 sur 24, là, pour nous comprendre bien. C'est pas travail simple, n'a parlé de lui. N'a parlé d'un réseau électrique intelligent. Ça veut dire, courant ça a sur Pélig là, 54 MW. Mais c'est pas besoin de tout pays d'Haïti. Le réseau national là fin construit. Même j'entends coup 52 km de ligne qui sortit Pélig qui entre sous Port-au-Prince, pays a besoin tout 600 km. Gros réseau comme ça. Ça veut dire manquer nous 548 km réseau comme ça. Pour fin mettre réseau sur tout pays à net. Là ça fin fait sans Pélig, c'est une centrale. Pays a gen doit arriver 10 centrales, 12 centrales, 15 centrales. Les balles de centrales solaires, centrales éoliennes, centrales biomasse, centrales gaz naturel,
Mais toutes centrales à eux, leur aller sur réseau, faut qu'on façon pour réseau lui-même, c'est ça que vous parlez de réseau intelligent, lui recevoir toutes centrales à eux et puis lui faire distribution. Et c'est pour ça qu'en pile, monde qui parle des affaires courantes, mais moi ça me l'a dit aujourd'hui, hein. Moi je l'ai dit frère action mieux, à toute humilité, faut monde parler de ça, comprendre avec ça, connaître, parce que grand pile monde dans pays qui parle de ça, ou pas connaître, avec qui parle de ça, ou pas comprendre. Bagage ça, on mettait en pile confusion dans tête haïtien. Moi-même, moi prends engagement sur des promesses que me fait et moi respecter limite connaissance moi. Moi pas parler de ça, moi pas connaître. Moi pas parler de ça, moi pas comprendre. Moi chercher gros experts haïtiens et étrangers pour mettre bon côté pour faire me comprendre ça, moi pas comprendre et pour faire me connaître ça, moi pas connaître. Même pas le bon jour et puis bon radio mal parler, ça moi pas connaître avec ça, moi pas comprendre. Parce que l'on parle ça pas connaître, ça pas comprendre ou faire des gars dans tête peuple là. Ou bay un gros problème dans pays a ou si men la troublay dans l'esprit moun yo le ça peuple haïtien li pa konn ki bon pou le faire si pou le faire à droite si pou le faire à gauche. C'est pour ça jodi a moi profiter de l'occasion ça pour me dire peuple haïtien k'ap tande bla faut apprendre koute moun k'ap parler ça yo konnen ak ça yo comprendre parce que grand pile moun k'ap parler mais ki pa comprendre ça y a dire grand pile moun k'ap parler ki pa konnen ça y a dire zafè courant son bagay ki complexe en pile faut comprendre ni faut konnen pour parler de lui. C'est pour ça matin m'a dit peuple haïtien même j'aime te prend engagement depuis premier jour m'te dit courant 24 sur 24 là son réalité c'est sur route là c'est pour rêve li. Haïti pral gen courant 24 sur 24 kaye tout moun nan tout entreprise tout industrie gen nan pays a parce que on pays pour le développer faut gen route faut gen courant faut gen glou l'en parler de glou grand pile moun ki pa comprendre tout nou pa parler de glou pour moun bre seulement nou parler de glou pour faire industrie fonctionner. On prend exemple un gros secteur que nous en Haïti c'est secteur textile côté ou fait Mario, yo fait rad pour voyer dans pays étranger. Mais est-ce que nous connaissons pour qui ça, secteur ça, pas capable de faire trois lieux en Haïti? Il y a deux problèmes. C'est pour problème ressources humaines. Volume jeune garçon et jeune femme qui est dans le pays. Compagnie de Calvini, yo formé Mounio dans un an, dans deux ans. Problème non, relé. Premier problème non, relé courant. Parce que, premièrement, courant nous n'est pas disponible. Deuxièmement, trop cher. Li trop cher parce que dans l'autre pays, côté yo fait trois lieux. Yon kilowatt-heure a coûté entre 12 et 18 centimes. En Haïti, il y a des moun k'ap vann l'état courant qui veut vendre jusqu'à 42 centimes. Et l'état lui-même a vann courant ça parfois à 30, 25 et l'état a payé un paquet l'argent chaque année. Oh diable l'état ça mes amis, j'ai une tête là. Moi connais que bonjour faut Abraham dit c'est assez pour l'état ça. Pour que comme l'état ka vini fait bien pour tout le monde. Pour le pape faire bien pour un petit groupe de monde. Parce que l'État, c'est pour nous tous. L'État n'a pas un groupe. Et puis pour un groupe lui-même, depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui, qui va jamais bénéficier de ça l'État a fait. Ça veut dire, l'État n'a jamais en capacité pour construire l'école. Il n'a jamais en capacité pour construire l'hôpital, pour construire route, pour construire gros pépinières tant que ça n'a fait aujourd'hui pour mettre pied planter pied bois dans tout le monde dans le pays. Mais c'est l'État ça me rêver pour nous aujourd'hui et c'est peut-être ça n'a bataille contre corruption qui sont gangrène pour pays dit chaque jour. Là n'a parlé de corruption en pile monde chercher pour virer sujet. Corruption c'est là où fait un contrat avec l'État te doit payer 20 goud, l'État paye 60 goud. Ça c'est corruption. Corruption c'est là où font contrat avec l'État ou t'es là pour te bailler l'État 10 biens ou bal 5 biens, c'est corruption. Tout ça est dans corruption, c'est pour ça aujourd'hui on nous dit bataille que n'a mené et bien content que trois gros autorités clame parler de trois sénateurs qui au même dans niveau parlement loyaux c'est eux même qui fait. Nous même nous proposer, ils ont même yo voté et c'est à travers loi ça pour pays à diriger. L'on monde voulait que vous voulez faire droit par au passé, il y a une loi qui a fait droit la passer. Parce que pas un pays sous la terre qui a dirigé, qui a mené ça la loi. Pour nous tourner dans affaires courant, parce que nous sommes en pays, 54 MW sont belles bagages, nous sommes gardés ici.
Pendant que nous parlons, nous avons 51,4 MW. Ça veut dire que nous avons piqué, la poussée montée. Nous sommes fiers pour nous dire aujourd'hui. Moi, je suis venu à l'île, ça y a un an. Moi, je suis dit technicien, ingénieur qui est là, haïtien. Moi, je dis, monsieur, est-ce qu'on va chercher Haïti sous l'eau là? Je dis, président, je connais. Je travaille pour me faire étranger connaître que Pélé est supposé finir en 2018. À mes frères de Alstom, je veux vous remercier aujourd'hui parce que je vois que vous avez resté vos promesses. J'étais là, ça fait une année. Vous m'avez dit, président, d'ici le mois d'avril 2018, les trois turbines sont en marche. Aujourd'hui, nous sommes en juin. Les trois turbines sont en marche. Pélé est en train de produire 54 MW d'énergie électrique. Mes frères de Alstom, parce que, comme je l'ai dit chaque jour, nous sommes un pays qui fait partie de ce grand village. Ce village, Haïti, fait partie intégrante de ce grand village. Mais je dois vous dire aussi, nous sommes en train de travailler avec la communauté internationale aujourd'hui sur la base de l'accord de Paris, l'accord de 2005. Parce que aujourd'hui, en Haïti, les dirigeants de ce pays savent pertinemment ce qu'ils ont besoin pour faire avancer ce pays. La caravane du changement qui n'est pas un programme, la caravane du changement qui n'est pas une loi, mais qui est une stratégie, qui est une nouvelle façon de faire au niveau de l'État ici. La caravane du changement aujourd'hui cherche à mettre l'État au service de la nation. Mais sans votre support, sans votre accompagnement, il sera difficile pour les dirigeants haïtiens. Les dirigeants haïtiens comptent sur vous, les dirigeants haïtiens comptent sur la communauté internationale, les dirigeants haïtiens comptent sur ce partenariat, nos frères de l'international, pour sortir de ce pays, de cet enfer de sous-développement. Parce que le sous-développement ne peut en aucune façon être une fatalité pour nous. Le sous-développement, en fait, c'est un état de fait, mais le sous-développement n'est pas une fatalité. Nous savons aujourd'hui comment sortir du sous-développement, les nouveaux dirigeants haïtiens. Et nous allons sortir de ce sous-développement avec votre support, la communauté internationale. Antibonite, c'est un gros fleuve que le pays a rien. Il y a 3 milliards 100 millions de mètres cubes qui coulent dans le fleuve Zak qui tombent dans la mer chaque année. Et pourtant, Haïti, je voulais parler des 16 grandes villes d'Haïti et la zone métropolitaine, ils ont besoin de 700 000 mètres cubes d'eau par jour pour boire. Ça veut dire moins que 200 millions de mètres cubes d'eau. Et quand tu trouves 3,1 milliard de mètres cubes qui vont tomber dans la mer, fleuve Antibonite, là, pour contre, c'est lui-même. L'État produit 54 MW avec centrale Zak qui joue l'IA. L'État produit 32 MW avec Antibonite 4C. L'État produit l'autre 40 MW encore après Antibonite 4C. Elle est capable de rouler plus passer 500 000 carottes pour contrôler. Et puis elle est tout le monde dans le pays d'Haïti de l'eau pour le boire. Mais l'eau suffit à ça, ça coule là. Mais mauvaise décision. Non. Des gens sans vision parfois, qui toujours abaille président mauvais conseil, qui toujours mène le président dans mauvais chemin, fait comprendre que chaque temps nous avons besoin de l'eau pour nous boire, l'eau pour nous rouler jardin. Son prix vous nous fouillez. C'est pour ça qu'il y a des gros décisions que nous avons prises aujourd'hui. Des gros décisions, tant que décision que le président Wanda a sur le point. Pour le mettre l'eau potable dans la ville qui gale à partir de rivières qu'il y a la caille. Et pourtant en Haïti, le peuple a gardé là où fait nous suspendre rêver. Au peuple qui suspend rêver, ou suspend vivre. Au peuple qui suspend rêver, ou mourir debout. Eh bien nous-mêmes, nous prenons décision pour nous continuer pour rêver. Pour une fois qu'on est le grand, le beau et le bien, c'est pour vous lier tout. Les pas fait pour un groupe monde, les pas fait pour tout le monde. C'est droit au peuple haïtien. Moun kap vive dans zone reculée. Moun kap vive dans bidonville, dans Port-au-Prince, dans Cap-Haïtien, dans Okaï, dans Gonaïve, dans Hinch, dans Mibale. C'est droit nous, pour nous courant, pour nous de l'eau, même tout le monde. C'est droit nous, pour nous route, pour nous la caille nous. Nous même qui savons être cap gardé là, mon Baptiste au cap gardé, mon Thomas, mon Maïsa, c'est droit nous. Pour nous route, pour nous la caille nous. Mon Boucan Carré, c'est droit nous, pour nous route, pour nous la caille nous. Je dis, c'est pour le président qui l'a qui campé, qui voulait dire nous parfois ça, nous voulait tendre. Mais il dit nous réalité. Mais pour route dans le pays, pour mettre courant dans le pays, pour mettre l'eau dans le bout des monde, à qui ça peut faire? Mandez à qui ça? Nous allons poser une question ça, je vous dis. Avec l'argent. Côté pour l'argent, côté pour le sorti. Partenaires internationaux, nous ne pouvons pas tout le temps, c'est eux pour nous mettre couille nous pour nous demander. Côté dignité nous, côté fierté nous. Je dis à ces gens apprennent qu'on est courant, ça capte sur le là, c'est pour nous payer. $1 million pour réhabiliter l'île qui mène courant sur Port-au-Prince. Ça fait $124 million. Mais reste là, c'est pour nous qu'à faire. Côté dignité nous. C'est pour nous qu'à faire, pour nous payer courant. Nèg qui n'en prend qu'un bel an, n'a pas privé sur nous. Nous connaissons EDH, comment se mettre sous pied, n'a pas le bord. Ça a besoin en matière d'accompagnement pour la police barou, pour la justice pour accompagnement depuis nèg comprendre y a monté sous poteau
côté lien l'air pour le bon Dieu notre la capitaine descend parce qu'on pays nous pas cap diriger les pour n'a pas accepter que peuple là pour nous quitter le peuple salvé moi même moi président peuple là pas de bon pouvoir pour me faire sembler c'est pour ça ni m'pas monter président m'pas venir persécuter monde non qui était en face moi dans élection après 16 mois ou bien 17 mois tout monde a vivre dans pays à très bien mais tout peuple là pas de bon pouvoir pour me quitter le peuple salvé c'est pour ça renforcement EDH là moi veux tout monde qui travaille dans électricité d'Haïti au compte compagnie ça qui sont compagnies publiques pour l'État haïtien c'est renforcer notre force pour gagner un réseau électrique plus intelligent dans les Caraïbes c'est rêve nous pour une centrale pas bouler ni gaz ni mazout que EDH possède tant que centrale hydroélectrique ça rien là centrale solaire que la bien pour gagner centrale éolienne que la bien pour gagner c'est ça et c'est eux nous pour le faire. Au tap côté mesdames messieurs président République la Jovenel Moïse qui t'a participé dans cérémonie clôture travail réhabilitation trois turbines centrales hydroélectriques Peligla qui pral fournir 54 mégawatts courant dans département centre ak nan région métropolitaine. Non qui même tant des nouvelles là souri même tant des paroles là eh non qui même tant des nouvelles là souri même tant des paroles là. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, en tête collée avec BID, département agricole États-Unis, Catholic Relief Services, organisé jeudi 21 juin 2018, là, dans l'hôtel Marriott, toujours une conférence nationale sous filière cacao en Haïti. Divers acteurs qui travaillent dans le secteur ça étaient présents dans l'activité qui a duré deux jours. On suit le reportage. Activité ça qui réunit différents acteurs nationaux tant qu'internationaux qui travaillent dans la filière cacao en Haïti visait identifier problèmes producteurs pour renforcer le secteur ça qui fortement frappé dans le passage ou à grand match dans finissement année 2016 là. Budget filière cacao et café a passé de 25 à 150 millions de gourdes dans le prochain projet loi finance 2018-2019 là pour augmenter production cacao. Explication ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural là, agronome Jobert Angra. Au niveau ministre agriculture dans FIOP et dans qui ont préparé vous voyez dans le Parlement 18-19, nous passons de 25 à 150 millions pour filière café cacao. Donc j'avais dit l'État a montré une bonne volonté pour capable de moyens pour capable pour activité faite et en collaboration avec le ministère de l'Environnement qui a des centres de germe en place, n'a pas le battre pour nous produire plus plantules pour nous capable bailler producteurs. Donc ça veut dire vision là et nous commençons maintenant. Donc nous souhaitons qu'au niveau législatif là il y a pas accompagné nous pour capable gagner moyens ça et au niveau gouvernement donc nous pas plaisir sous moyens pour nous capable mettre monde qui est intéressé et pour capable appuyer producteurs au travail. Et comme ça, pour nous capables d'augmenter la production de cacao dans le pays. Cacao, c'est le troisième produit qui est plus exporté, qui n'est pas suspendu, régressé pendant la dernière année. Ça y est. Responsable agricole catholique Relief Service, là, Stéphane Jean-Pierre, qui souligne un peu l'avantage, ça a gagné. Quoi est important pour tout acteur chita ensemble pour définir un plan pour arriver à augmenter la production de cacao? C'est ensemble, comme équipe cacao, nous allons chercher comment pour nous résoudre le problème, les techniciens qui vont résoudre le problème, et puis pour nous faire ensemble. Donc, suite à l'atelier, ça, nous allons gagner l'autre rencontre avec ensemble de monde, filière, exportateur, ministère pour nous capables de finaliser le plan. Parce que dernier partie plan, c'est le plus important, c'est l'implémentation. Ça veut dire que oui, nous avons l'idée, nous avons le problème, nous avons la solution, mais qui j'en ai fait? Étape 1, étape 2, étape 3, qui activité n'a fait? Nous trouvons qu'on manque de collaboration, et qu'on manque de collaboration de passer entre différents projets, ministères, bailleurs, département. Donc, l'important que nous accordions violon nous et que nous travaillons en équipe et c'est ça qu'on a essayé de stimuler là. Considéré comme troisième produit exportation qui est important pour le pays, cacao continue à baisser dans la production malgré l'intervention de plusieurs partenaires internationaux. Pourquoi il y a la filière cacao a passé de 20 000 à environ 3 000 tonnes métriques par année d'après responsable dans le ministère de l'Agriculture. Melias Nokson, Radio Guinée d'Haïti. Ou Mondial 2018 là, songe 4 collés sous ballon, pirette. Oui, en plus tirage mondial là, songe 4 vinn ak lot spécial pour enjoy Coupe du monde là, pi bien. Mais ballon, al gad matou nan, yon nan restaurant ki patnen nou, konsome et puis paye ak songe 4, pou jwenn 10% rabais sou tout achat yo la pou la. Bon boule! Ki tou bagay cash, ki tou bagay courant, ou besoin al gad match ak kek fanatik. Depuis que Soje 4 ou dans le ou mettre posé. Spécial 10% rabais Soje 4 là disponible dans Fiordi Lapi, Goose Bar Haïti, Munchies, Shooters Bar and Grill, Basilic Bed and Breakfast, Auberge du Québec Hotel, Rolly Hotel, Smokies Bar and Grill, Jojo's,
Elite Hotel, Le Vieux Tunnel, L'Estaminet, La Pose Inn, Caribbean Grill, Le Florville. Et puis, dans Ville Okay, Over Here Bar Resto. Pour Mondial 2018, là, ballon, c'est nos mainly. Songez 4, c'est Mec 4 là. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille tout Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a kabanou avant jour à informé. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natal. Tendez pour quoi, pas quitter Mundi. 3h du matin. Information à continuer sur antenne radio Guinée d'Haïti en prélude avec journée Nations Unies qui est célébrée chaque 23 juin. Fonction publique là, Office de protection citoyen organisé jeudi 21 juin 2018 là, en conférence débat sous thème devoir, droit et devoir des agents de la fonction publique. Dans l'intervention, le protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, attire attention fonctionnaires publics sur responsabilité au gain dans qualité service et à bas population. Maître Renan Edouville dit l'important pour combattre corruption dans l'administration publique là. En prélude à cette journée très importante, donc l'OPC a voulu marquer cette date importante, cette date consacrée à la journée internationale de la fonction publique. Alors dans cette résolution que nous avions, nous autres Haïti en tant qu'État parti au niveau du Conseil des droits de l'homme, État parti au niveau des Nations Unies, eh bien il est dit que l'Assemblée générale des Nations Unies décide le 23 juin sera déclarée journée des Nations Unies pour la fonction publique et encourage les États membres des Nations Unies à organiser ce jour-là des manifestations spéciales pour mettre en valeur la contribution de la fonction publique au processus de développement. Donc cela veut dire que c'est l'occasion, les États membres des Nations Unies accordent une importance aux fonctionnaires, aux employés, aux agents de la fonction publique qui prêtent leurs services, qui mettent leurs connaissances à la disposition de la fonction publique. Alors dans le contexte actuel, pourquoi nous avons décidé de marquer cette date et d'associer l'Office de management des ressources humaines? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est essayer de mettre l'accent sur la responsabilité des agents de la fonction publique, des employés de la fonction publique, pour qu'ils savent qu'ils sont au service de la population. C'est-à-dire, leur travail dans l'État, ce n'est pas une faveur qu'on fait à la population, mais c'est devoir en tant qu'agent, en tant qu'employé, en tant que fonction publique, pour mettre au service de la population. C'est-à-dire, son travail qu'on va faire, ou doit faire la population, service à tous les niveaux, qu'au professeur, qu'au avocat, qu'au juge, qu'au infirmière, qu'au médecin, quel que soit soi, il y a pour devoir, pour mettre connaissance au service de la fonction publique. Donc, le premier point, le premier axe sur lequel nous voulons mettre l'accent en commémorant cette date, c'est responsabiliser beaucoup plus les agents, les fonctionnaires, les employés qui sont dans la fonction publique. Et la deuxième chose que nous voulons quand même bien évidemment mettre l'accent, eh bien, c'est un sujet d'actualité. Savez-vous que, chers amis, au niveau de la fonction publique, peut-être à tort ou à raison, ça on doit le dire en toute honnêteté, en toute objectivité, eh bien le plus souvent quand on parle de la fonction publique, quand on parle de l'administration publique, on a toujours tendance à dire qu'au niveau de l'administration publique, combien l'administration publique est le plus souvent caractérisée par la corruption. Donc nous pensons qu'en cette occasion, c'est l'occasion de lancer ce message. Non seulement pour dire que les agents, les fonctionnaires, les employés de la fonction publique doivent être au service de la population, mais ils doivent savoir aussi qu'ils ont compte à rendre à la population, c'est-à-dire prendre des dispositions pour qu'il y ait, quand on a un poste de responsabilité, quand on a une certaine responsabilité à un niveau quelconque, eh bien, il faut qu'il y ait, je pourrais dire, une gestion saine pour la mise en œuvre des actions en matière des droits de l'homme. Bon côté, mesdames, messieurs, protecteurs, citoyens, maître dans Edouville, bon côté, pal, maître Élie Jean-Philippe, fait qu'on ait tout le monde qui voulait intégrer fonction publique, l'an doit passer par voie concours. Maître Élie Jean-Philippe profite souligner tout quelques principes qui sont importants pour fonction publique, l'an tant qu'au principe exclusivité, principe laïcité avec principe éthique et déontologie, une façon pour l'administration publique, là, bien fonctionner.
Pour entrer dans la fonction publique, il faut que ça soit par concours. Et pourquoi? C'est pour respecter le principe d'égal accès aux emplois publics. Donc, nous avons tous, c'est bien, les mêmes droits pour occuper un poste dans l'administration publique. Et c'est pourquoi on doit, de toute façon, passer par concours. Donc, si c'est par concours, eh bien, tout le monde, eh bien, pourra un jour, eh bien, accéder à un emploi public. Donc, eh bien, c'est le mérite, eh bien, qui doit prévaloir sur tout ce que nous savons, eh bien, comme pratique. Donc, nous entrons par concours et pour entrer par concours, il y a un processus à suivre. Il y a un autre principe, eh bien, qui est très, 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 très important dans la fonction publique. Eh bien, ce principe, c'est le principe de généralité. Donc, la fonction publique, le service que nous offrons, eh bien, ça doit être disponible pour l'ensemble de la population qui se trouve sur tout le territoire national. Donc, le service public, ça appartient à tout le monde. Eh bien, ça, c'est le principe de généralité. Donc, il faut offrir des services à toute la population, où qu'elle se trouve sur le territoire national. Il y a un principe fondamental aussi en matière de fonction publique, c'est le principe d'exclusivité. Donc, nous sommes fonctionnaires, donc nous sommes au service de l'administration publique, eh bien, à plein temps. Donc, eh bien, l'horaire de travail, c'est 8h-4h. Donc, si nous sommes au service de l'administration de 8h-4h, nous ne pouvons pas être au service, par exemple, d'une entreprise privée en permanence. Donc, le principe d'exclusivité, c'est pour éviter aussi, eh bien, il y a des fois cas d'incompatibilité. Vous ne pouvez pas travailler en même temps pour le secteur public, vous travaillez en même temps pour le privé. Donc, puisque des fois, il y a des cas d'incompatibilité qui peuvent causer des problèmes qui peuvent causer donc des difficultés dans le fonctionnement du service. Il y a aussi un principe, c'est le principe de laïcité. Donc, eh bien, la fonction publique, eh bien, ça appartient à tout le monde, quelle que soit sa religion. Donc, le fonctionnaire, il n'est pas là pour servir, eh bien, les gens qui sont de la même confession religieuse que lui. Donc, la fonction publique, ça appartient à tout le monde, quelle que soit votre religion. Et c'est pourquoi aussi, il faut éviter, eh bien, de considérer le lieu de travail comme un lieu de recueillement, de prière. Le lieu du travail, c'est fait pour offrir des services. Donc, le fonctionnaire, il est là pour offrir des services. Eh bien, vous avez un temps, vous avez un lieu pour vous recueillir dans le cadre de votre religion. Mais les lieux du travail, eh bien, ça doit être consacré au service, à la fourniture de services. Même si chaque fonctionnaire peut avoir sa propre religion, ce n'est pas un problème. Donc, nous sommes dans un pays laïque, toutes les religions sont acceptées, reconnues, mais dans le cadre du service, eh bien, tout le monde, eh bien, doit être servi de la même manière, sans tenir compte de la religion de la personne. Il y a un principe fondamental aussi, eh bien, sur lequel le protecteur vient de filer quelques mots. Donc, il a parlé de corruption. Mais dans la fonction publique, il y a le principe d'éthique. Éthique, il y a le principe de déontologie. Donc, l'éthique, eh bien, ça a rapport au comportement individuel du fonctionnaire. Comment il faut vous comporter en tant que fonctionnaire? Il ne faut pas oublier, vous représentez l'administration. Si vous représentez l'administration, il faut avoir un comportement digne. Donc, lorsqu'on vous regarde, on voit l'administration. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, maître Élie Jean-Philippe, coordonnateur fonction publique, Henri Bossico, qui t'a expliqué façon recrutement faite dans l'administration publique, appelé en faveur application constitution avec la loi pour intégrer en fonction publique. Là. Monsieur Henri Bossico fait qu'on est, d'après article 151 décret 17 mai 2005, là, fonctionnaire public qui a gain droit au groupe en association ou encore en syndicat. Pour être fonctionnaire, le fonctionnaire, c'est un métier, le métier de fonctionnaire. Et le métier commence par où exactement? Le métier commence par le concours. Donc je vais vous en parler rapidement avant de passer aux droits et obligations des fonctionnaires. En fait, comment ça se passe vraiment de la fonction publique? Et la première chose, c'est que l'institution qui ressent le besoin de recruter, l'institution envoie, communique ce besoin à l'OMRH. Ensuite, l'OMRH, de concert avec cette institution, on va élaborer le profil de poste. Et c'est à partir, parce que la personne qui va venir doit savoir qu'est-ce qu'il va faire. Okay? On élabore le profil de poste et à partir du profil de poste, maintenant, on établit les termes de référence. Et ce sont ces termes de référence qui vont être publiés sur le site de l'institution, dans un journal et sur le site de l'OMRH. À ce moment-là, le processus commence. Donc, l'OMRH
Lui, il vient superviser tout le processus. Quand je vous parle de processus, parce que j'ai commencé avec l'identification des besoins, depuis l'identification des besoins et jusqu'à la cessation. C'est-à-dire que le MRH prend en charge tout ce processus. Ensuite, après la publication des thèmes de référence, des candidats apportent leur dossier, etc., etc. Et ensuite, le MRH de conseil avec l'institution continue avec la procédure. Et j'aimerais insister aussi, j'aimerais rester sur cette histoire du concours pour vous dire que nous sommes en plein vraiment dans l'application de la Constitution et de la loi sur la fonction publique. Et quand je parle de Constitution, c'est parce que la Constitution nous dit que la personne qui rentre dans la fonction publique, cette personne doit rentrer par voie de concours. C'est encore souligné par le décret du 17 mai 2005 et l'arrêté aussi sur les voies d'accès à la fonction publique. L'OMRH, sous le haut patronage, je pourrais dire, ou bien d'après les instructions du président de la République, parce que cette histoire de concours ou bien recrutement sur concours, c'est le premier point du premier axe, ok, des sept grands axes prioritaires de l'administration Moïse Lafontaine, ok. Donc, c'est pour vous dire que nous travaillons d'après la Constitution, mais cependant, selon les visions de l'administration Moïse Lafontaine. Donc, l'OMRH a déjà lancé des grands concours. Vous autres journalistes, vous en avez entendu parler. Mais récemment, nous avons organisé un concours. C'était pour recruter 20 cadres à l'ONAP. L'ONAP voulait restructurer son personnel. OK, pour 20 cadres de l'ONAP. Ensuite, après ce concours à l'ONAP, nous avons organisé aussi un grand concours. C'était pour recruter les responsables des bureaux agricoles communaux pour le ministère de l'Agriculture. Donc actuellement, la procédure continue, est toujours en marche. Donc c'était dimanche dernier. Nous continuons encore avec le processus. Ce samedi, nous allons organiser un concours pour le ministère des Finances, en fait, bien entendu, en collaboration avec le ministère des Finances. Donc, pour ce concours, nous allons recruter 8 commis administratifs. Il y a environ 428 dossiers retenus. C'est samedi à 9h. Ce concours va se réaliser à l'ENAF. Okay? Ensuite, dimanche matin, à partir de 8h, nous serons à Gantier. Et nous serons à Gantier pour organiser un concours pour recruter 100 personnes. 40 opérateurs de bulldozers, 40 opérateurs d'excavatrices et 20 opérateurs de semi-remorques. Donc ce concours, ce sera en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Ensuite, lundi matin, nous serons à l'UCLBP pour, encore une fois, pour des concours, pour des postes, pour plusieurs postes au niveau de l'UCLBP. Donc en d'autres termes, c'est pour vous dire que le processus est lancé. Quiconque veut rentrer maintenant dans la fonction publique passe par voie de concours. C'était Madame Monsieur coordonnateur fonction publique Henri Boussico, dans le cadre de la conférence en débat ça, Office protection citoyen organisé, journée jeudi 21 juin 2018, sous thème droits et devoirs des agents de la fonction publique, en prélude avec journée Nations Unies pour fonction publique qui célébrait chaque 23 juin. Sous initiative Mission Nations Unies pour appuyer justice en Haïti, Inspection Générale Police Nationale d'Haïti remet jeudi 21 juin 2018 la certificat by 22 inspecteurs dans différentes unités dans PNH là, Tanko Udmo, Simo, Bim Boyd, Police Communautaire, qui étaient suivent 3 journées formation sur 3 mounes, sorti 19 pour arriver 21 juin 2018. Commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin, dans l'occasion, fait qu'on ait formation ça, pral grande. Pour permettre inspecteur yo plus performant, porte-parole adjoint IGPNH lan mandé inspecteur yo partager connaissance avec l'autre policier yo en façon pour permettre yo faire travail yo plus bien. Nous voici arrivés au terme de 3 journées de formation bien remplies organisées ici à la salle de conférence de l'IGPNH. En effet, du mardi 19 jusqu'à aujourd'hui jeudi 21 juin, 22 cadres intermédiaires issus de différents commissariats, unités de la Direction départementale de l'Ouest, DDO, ont pris part à cette formation spécifique sur les droits humains basée sur la méthode participative. 12 formateurs de l'inspection générale ont eu l'opportunité d'entretenir les participants autour des thèmes suivants. Introduction aux droits de l'homme versus principes et droits fondamentaux, droits de l'homme, sécurité, maintien de l'ordre et usage des armes à feu,
Attribution et responsabilité de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Protection des groupes spécifiques, femmes, enfants, personnes à mobilité réduite, éthique, valeurs et déontologie. Principe des droits de l'homme versus normes nationales et internationales. Droits et responsabilités de la police nationale d'Haïti. Et enfin, des travaux en atelier autour du développement des aptitudes de changement de comportement concernant la protection des droits de l'homme. Cette formation sous forme de recyclage répond à juste titre à un besoin de nos policiers de se rafraîchir la mémoire quant aux compétences déjà acquises et rentre dans un programme de la MINUJUST de former des formateurs capables de transmettre le savoir à l'ensemble des policiers. À bien regarder l'attitude des participants, l'engagement et leur participation durant les trois jours où les débats ont été au paroxysme, nous déduisons chez eux un sentiment de grande satisfaction. C'était Mesdames, Messieurs, commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin qui s'est tout porte-parole adjoint. Inspection générale police nationale d'Haïti. Inspecteur général en chef police nationale d'Haïti, Ralph Stanley Jean Brice, dans discours pour circonstances d'information, ça pourrait le permettre. Inspecteur policier fait travail dans respect la loi éthique et déontologie PNH. Inspecteur Ralph Stanley Jean Brice souhaitait inspecteur qui saute pour formation sous trois mounio, et bien former l'autre policier qui est dans la même unité actuelle. Ils ont reçu une formation intensive faisant d'eux des formateurs en droits humains. Ils auront pour mission essentielle de former les policiers appartenant à leurs unités. Car les droits humains se vivent au quotidien. Ce n'est pas une vaine parole. Toute mission de police commence et se termine avec le respect des droits humains. Le policier se doit de faire son travail de façon correcte, d'assurer la sécurité des vies et des biens, tout en respectant les droits de l'homme. C'est là tout l'art du travail policier. Comment faire correctement mon travail sans pour autant tomber dans une quelconque violation des droits de l'homme. Plus d'un pense que le travail correct ne peut être effectué qu'en bafouant les droits des autres. Mais nous avons pour obligation de respecter les normes, les codes d'éthique, de déontologie et tous les textes légaux régissant la police nationale d'Haïti. Vous êtes les pionniers. Après vous, il y aura d'autres classes de formateurs en droits humains. Vous avez donc l'insigne honneur d'être les pionniers d'une mission noble. Vous vivez avec les autres au quotidien. Vous participez avec eux dans les opérations. Vous avez donc le langage adéquat afin de pouvoir leur faire comprendre le message. Le respect des droits de l'homme n'est pas uniquement l'apanage de l'inspection générale. C'est le travail de toute policière et de tout policier. Les droits humains se vivent. Ce n'est pas un concept flou, c'est une notion pratique. La police nationale d'Haïti se doit d'être à la hauteur de toute police à travers le monde. C'est pour cela que l'on évoque sans cesse le concept de professionnalisation de la PNH. Inspecteur général en chef police nationale d'Haïti, Ralph Stanley Jean Brice. Représentant équipe qui suivent trois jours d'information, Sayo Israël Jean-Rémy exprimer satisfaction et puis remercier tout mission Nations Unies qui a appuyé justice en Haïti pour support à l'encadrement de la police nationale là dans le domaine trois mounes. Ils promettent tout pour mettre en application tout ça y apprendre qui concerne trois mounes. Aujourd'hui, j'ai le signe honneur de prendre la parole au nom de mes collègues policières, policiers. Juste pour vous dire combien nous sommes heureux et très fiers de vous pour l'excellente formation que vous avez transmise en notre faveur sur les droits de l'homme. Mesdames et messieurs les instructeurs, ne vous inquiétez pas pour ces recommandations octroyées, à savoir le partage de ces connaissances acquises. Durant les trois jours de formation, nous vous assurons que les messages seront transmis, respectés et appliqués, en particulier les principes des droits de l'homme. Notre ambition, c'est de persuader le haut commandement de la PNH d'œuvrer de la continuité du programme de formation visant le respect
des droits de l'homme qui a une grande importance dans la vie sociale, culturelle, religieuse et socio-économique, politique. Nous vous remercions, Monsieur l'inspecteur général, en chef, d'avoir pensé à organiser ce grand séminaire de formation. Nous disons merci aussi aux représentants de la MINUSJUST pour leur support et leur encadrement. Et remerciements particuliers à vous les formatrices et formateurs pour votre savoir-faire et les sacrifices consentis pour nous faire comprendre l'importance des droits de l'homme. Merci. Que le Dieu de l'univers bénisse Haïti et la PNH. Au côté représentant équipe qui suivent trois journées formation Sayo Israël, Jean-Rémy Dossier Côte Jorvi qui représente chef composante police nationale, police LAN, dans l'activité Sahara. Remercier participants pour volonté au gain pour travail pendant l'encourager continuer travail pour bonne marche institution policière. Permettez-moi de prendre la parole au nom du chef de la composante police, le général de brigade Georges-Pierre Machotte, pour vous remercier et vous féliciter d'avoir pris des dispositions nécessaires pour une fois encore réussir cet événement qui revêt une importance capitale pour nous tous. À la suite de la première session tenue du 22 au 25 mai dans cette même salle, nous assistons aujourd'hui à la clôture de la deuxième session de formation des formateurs en droits de l'homme au profit de 22 autres policiers de la PNH. Messieurs les formateurs de la PNH, récipiendaires de la première session, je n'ai jamais douté de vos qualités et de vos capacités. Vous avez su mettre en pratique et en valeur vos acquis et expériences au bénéfice de vos collègues. Je peux dire très modestement que la MINUSJUST a réussi le pari de transfert des compétences et désormais, vous avez la grande responsabilité d'organiser des séances de formation de ce type pour un grand nombre des agents de la PNH, avec des modules continuellement adaptés et revisés pour prendre en compte les conditions de droits de l'homme et l'environnement dans tout le pays. Je mesure l'immensité du travail qui sera le vôtre et je ne doute pas de votre capacité à réussir cette importante mission par la vulgarisation de la dimension des droits de l'homme dans les activités quotidiennes de la PNH. Votre engagement avec le respect des droits de l'homme fera de la PNH une institution plus professionnelle, démocratique et proche des citoyens. Vous allez certainement rencontrer des difficultés d'ordre logistique sur le terrain au regard de la modestie des moyens disponibles pour accomplir cette tâche. Mais ne soyez pas découragés d'essayer de vous surpasser pour que cette formation profite au plus grand nombre des policiers. Côté pour vous, mesdames, messieurs, Dossé Côte Jorvi, qui représente chef composante police dans le cadre de la cérémonie remise certificat bailli à 22 inspecteurs dans différentes unités dans PNH là, qui étaient prend formation pendant 3 jours sous 3 mounes sorti 19 pour arriver 21 juin 2018. Là. Commission spéciale évaluation qualité et service institution publique chambre députée a rencontré jeudi 21 juin 2018 là dans le parlement représentants syndicats diverses institutions en cours avec CTUDH organisation trois monde à Casalcon pour discuter sous qualité service institution Sayoa Bay population hein. Président commission spéciale qualité service institution publique chambre députée en Joseph Manès lui l'intervention le dit commission de travail pour améliorer qualité service public là dans pays. Commission qui était créée eh bien, depuis en janvier par bureau ça qui présidé par collègue Garibodo. Mais nous avons pris première session pour nous préparer et question étude d'enquête sur les services publics. Mais deuxième session, nous lançons vraiment dans mission commission qui s'est évaluer maintenant les différents services publics et certaines entreprises mixtes. Donc, nous avons eu une rencontre là avec plusieurs représentants organismes de droits humains et qui, là, ils ont même tout cas font un travail appréciable dans la société. Par exemple, il y a Salcon, il y a représentants d'organisations de droits humains qui, là, GILAP, plateforme de droits humains et syndicats et qui sont dans le secteur privé et public. Donc, c'est des réunions qu'on compte avec eux pour nous évaluer, nous dit, ensemble d'institutions publiques qui n'ont pas un service de qualité
par rapport avec attente usager. Donc c'est ça et nous te débattons dans la réunion, c'est pas en dernière réunion et nous entendons nous par exemple à regarder au niveau de Cimenterie Nationale et qui c'est en entreprise mixte et la les moulins d'Haïti par exemple la Natcom qui récemment bail 79 millions de gourdes à l'État haïtien mais il y a 80% qui t'a dû adjoindre collectivité yo. Après 8 ans nous pas connait ça fait comme ça. Donc la gestion de l'État liée à la question de la transparence lié à la question de reddition de comptes. Donc, est-ce pourquoi nous-mêmes nous avons fait réunion ça aujourd'hui là, et avec l'entité SAO qui est présente là, pour nous essayer de ouais, comment nous capable améliorer la qualité du service public là, côté usager à plein, par exemple, au niveau des parquets, accès à la justice, au niveau des corruptions qui gagnent dans le système là. Donc, nous voulons, au niveau Chambre des députés là, eh bien, contribuer pour nous capable améliorer la qualité des services publics en Haïti. Président Commission spéciale qualité service institution publique, Chambre députée, Joseph Manès, lui. Président syndicat OAVCTA, Audi Saint-Just, en bon côté, pas le profiter. Et vous jeté accusation qui t'a fait quoi employer OAVCTA au casier système informatique institution ça. Monsieur Audi Saint-Just souhaité commission, eh bien, travail pour moderniser OAVCTA. C'était une rencontre qui était très fructueuse, c'est une rencontre très participative. Et nous-mêmes, je dis à noter en tant que syndicaliste, parce que nous connaissons les syndicats qui font partie de la société. Et là, nous considérons une institution en tant que AVCT, et que la commission, depuis la commission prend fonction, jusqu'à aujourd'hui, là, pas une action qui mène la boîte là vers, comme des cadres, vers la modernisation, vraie, j'ai prôné là. Donc nous devons comprendre que aujourd'hui, nous avons fait une grève de moi, et nous avons fait lever grève là. Malgré le levé de grève, là, pour nous démontrer l'État, ou encore la population haïtienne, non, bonne volonté nous, pour nous déjouer dans sortie de crise. Bon, commissaire là, à savoir Walt Jubik, monsieur, retournez-nous encore dans la grève encore. Et je dis à la grève, ça a baptisé opération zéro. Côté premièrement, c'était opération bras croisé, l'autre à travers les zones frontalières où tu joues nos AVCT. Je dis pas que je n'ai aucun côté encore, parce que nous avons l'opération zéro. Par rapport avec l'ensemble d'exactions, monsieur a fait un décision. Président syndicat OAVCTA, Audi Saint-Just. L'autre nouvelle, l'hôpital Saint-Damien-Tabar, organisé jeudi 21 juin 2018 là, y a une séance sensibilisation sur problématique maladie anémie dans le pays, sous thème qui sa anémie falciformier à qui gens y ont monde capable de gagner maladie ça. Responsable clinique anémie falciforme, l'hôpital Saint-Damien, Dr Emeline Lerbeau, fait qu'on ait une journée sensibilisation ça, rentrée dans le cadre de série activité, l'hôpital là. T'es organisé dans l'occasion Journée mondiale anémie qui était célébrée mardi 19 juin 2018 là. Activité ça que nous entreprenons aujourd'hui dans l'hôpital Saint-Damien, c'est occasion jour mondial l'anémie falciforme. Ici dans Saint-Damien, nous avons une grosse clinique qui recevoir en pile petit monde qui gagne anémie falciforme. Clinique nous a 1278 petit monde et nous recevoir par année 60 nouveaux cas. Donc c'est ça qui fait que nous pensons que son maladie qui est important, faut nous bailler attention à lui. Li important sous plusieurs plans. D'abord pour ti moun, li bal en pile douleur, li fait le malade en pile, li fait passer en pile jou l'hôpital, li manquer en pile jou l'école. Pour parents yo qui obligé consacrer temps yo à ti moun ça qui malade, qui obligé gon budget spécial pour ti moun ça pour monter descendre l'hôpital et ensuite pour payer hein, parce que taux mortalité ti moun sa yo piro donc li monte taux mortalité infantile donc son maladie pour yo bay on attention spéciale parce que gen façon pour faire que ti moun nan moins souffri gen prévention ki ka fait yon nan bagay pour yo faire c'est découvrir maladie en le plus tôt possible. C'est peut-être ça yo fait dépistage néonatal et nous même dans l'hôpital là nous allons commencer avec dépistage néonatal grâce à un support de Fondation Pierre Fabre qui est en France. Donc, son maladie qui nous demande tout le monde pour être au courant de lui parce que yo pas connaît que yo gen trace parce que leur gen trace pas malade. Leur yo pral fait ti moun a on l'autre moun nous mande yo faut yo dépister ça en vain. Longtemps yo te konn nan bien-être social fait test dépistage pour anémie falciforme. Nous ta remet que yo reprend ça en considération parce que leur moun nan connaît
prend précaution s'il fait un petit monde qui sorti normal pour pas persister fait parce que lui ka fait petit monde qui gain maladie. Dépistage néonatal qui pral fait là, c'est docteur Saint-Victor qui pral coordonner projet hein, parce que l'a commencé dans Saint-Damien, li pral étendre dans deux gros hôpital dans pays hein, l'hôpital général, l'hôpital la paix. C'est pas une maladie qui guérit, c'est pas une maladie qui guérit parce que son maladie génétique liée li dans gène. Déformation qui fait dans globule là depuis que ou a fait ti moun a concevoir dans ventre déformation fait donc ou pas guéri. C'était madame messieurs responsable clinique anémie falciforme l'hôpital Saint-Damien docteur Emeline Lerbeau. Non, il n'aime tant de nouvelles. Sous il n'aime tant de paroles. Non, il n'aime tant de nouvelles. Sous il n'aime tant de paroles. C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principales informations notées développées yon go cérémonie organisée dans le local Peligla dans 3e section des bails commune Boukankaré pour clôturer travail réhabilitation 3 turbines centrales hydroélectriques Peligla qui pral produit 54 MW courant dans département Santa Cruz région métropolitaine là. Président République la Jovenel Moïse accompagné ministre travaux publics là Fritz Kayoté participé dans activité ça. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, BID, département agricole États-Unis, Catholic Relief Services organisé jeudi 21 juin, yon conférence nationale dans l'hôtel Marriott qui a duré deux jours sous filière cacao en Haïti. Inspecteur général police nationale d'Haïtien, Ralph Anstand, les gens brisent remède, certificat by 22 inspecteurs police dans diverses unités dans PNH-là qui étaient pour information pendant trois jours sous trois mounes, journée jeudi 21 juin 2018. Là. Office de protection citoyen organisé jeudi 21 juin, une conférence débat sous thème 3 et devoirs des agents de la fonction publique en prélude avec Journée Nations Unies Fonction publique là, qui célébrée chaque 23 juin. Dans le Sénat Tabac organisé jeudi 21 juin, une séance sensibilisation sous problématique maladie anémie falciforme dans le pays sous thème qui sa anémie falciforme et qui j'en yon moun capable de gagner maladie ça. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point savoir quand pilote nous sommes développés pour une nouvelle là. Merci pour écoute ou attention. Dans le micro, c'était Milias Noxon qui a invité. Rete branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit vous connaissez son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas la pour le qui sans monde vle dit ni yo dit ni changer sans monde dit. Nous faut entendre monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journaliste nous yo pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est ou pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passé. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. Ou mettre quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. Mon capote radio à la caillou dans l'hôpital dans voyage dans bureau. Bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, yon l'église. Tendez la messe devant jour. 4h30 chaque matin. Radio Guinée, yon expérience natif natal. Chance